Va crever. Et yo les gens, c'est Warretti. Aujourd'hui on se retrouve sur Enosia, donc le serveur PvP faction. On se retrouve dans l'épisode 2 où on va construire la base. Donc là bah, on est tout simplement en train de débuter. Donc là tout simplement on a une zone de 16 par 16 mise à part celle là qui est en plus. Donc il va falloir que je gère toute cette zone là. Donc on va laisser une zone de battement pour mettre de l'eau entre les deux. Pour optimiser la base. Bah voilà. T'es fort au PvP, tu m'as dit. Bah Silver 3 balles Lyon. C'est très mauvais ça. Très mauvais. Moi je le suis aussi, je me non, la pète mais pas. J'ai tryhard hein. que le... Non mais c'est que moi j'ai besoin d'être tout seul pour PvP et j'ai pas besoin de quelqu'un. Nanou, merci d'avoir fait l'intro de ma vidéo. Non mais sérieux mec, tu rec? Mais ouais. Vous êtes sérieux? Ah ouais, de la totale pure couille. Moi j'en sais rien. Je te crois pas avoir réussi tes forces d'aide le dimanche. Là un mec. Non, si. Barre-toi. J'ai pas pris de fire. Il te met mal ou pas? Je lui mets très très mal. Barre-toi, t'es solo. Oh là, mais j'ai plus de vie moi. T'as vu comment il me focus? Putain, j'ai pas pris de fire comme un con. Il est quoi niveau vie lui? T'as vu, il a un bâton de mage lui, je sais pas trop quoi. Vas-y, on se le fait à deux gros. Oh, il m'a retapé. Oh, je vais mourir. Ah bah, je suis mort. Eh mec, monte en haut, regarde l'avancement qu'on a fait. je t'ai troll. Ils font mal. C'est bon, il y en a un qui est tombé. Là, l'ult. C'est bizarre quand il tape. C'est bon. Pourquoi on peut pas boire de force, gros? Attends, reste. Ouais, reste bien. Reste bien sur le côté, gros. Il a Under Pearl. Il a foiré. Non, c'est toi? C'est moi. Vas-y, fais gaffe. Viens. Vas-y, il y a le diam, ça, je le fais. C'est bon, je l'ai écarté. Hop, voilà. C'est bon, les deux, je les maintiens, dépêche-toi par contre. Ah, ils se barrent les deux. Oh là, attends. Y'a un truc trop chelou, gros. Y'a quoi? Niveau stuff. What? C'est quoi ça? Attends. Attends, je me TP. Ah, t'es dans le trou? Ouais. Les deux, ils se ramènent. Go, bah TPA, Warriti. Dépêche-toi, je vais mourir. C'est chaud. Cours maintenant. Gros. Ah, ils ont buté un gros. C'est bon. C'est que de les faire en fellation. Il y a plus d'un. Il y a. Oh, voilà. Vas-y, prends le stuff. Viens prendre le stuff, tu veux que je m'occupe de l'autre? Vas-y, occupe-toi de l'autre, il est en diams. Merde, j'ai fait l'underpearl malheureusement. Mais du coup, il va venir vers toi ce con. Regarde ce gay. Vas-y, je le chope. Viens voir, j'arrive. Putain. On les a enculés. Vas-y, gros. Oh là là, qu'est-ce qu'il est relou. Le relou en soirée quand même. Putain. Je serais bien retourné en bas. Y'a du stuff. Bah en bas je crois, ouais, y'a du stuff limite, je te donne une underpearl et t'y vas. Tiens. Moi j'ai utilisé la mienne.
Ah, je vais t'en donner plus qu'une, mais voilà. Ah, merci, c'est bon. C'est dans ce trou là ? Oh, t'attends, ouais. C'était quoi cette épée ? Y'a du T4 en épée en copal. Y'a encore du stuff dedans ? Bah, je pense, ouais. Tu peux le temps de tout prendre, je mets sur tes plateaux. Ah, ok. Ouais, c'est dans ce trou là, je me suis cassé. Ils ont enculé quand même. Yep. Hop. Ouais, y'a masse truc. Du P2 en diams, un peu de copal. Des. Ouais. Ouais, c'est du stuff prince. Attends, que j'ai accès devant elle. Ok. Eh bien, bonjour, nous vous revoici dans la partie troll de cette vidéo, encore une fois. Hein. Nous allons troller Kyr qui est en train de miner de l'Opsie actuellement. Elle a fait la cancer en. Attends. Vas-y, tu me dis quand tu la kicks. Non, vas-y, kick là toi. Kick là maintenant, kick là. Slash F kick. Go. RT l'Opsi, mais bat les couilles. Ouais, merde, l'Opsi. On s'en bat les couilles, gros. Go, remonter. C'est pas nous. Comment on se barre de ça? Par là. C'est bon. Là, bien. Putain, j'ai pas de bloc. Bon, bah, c'est bon. Mission accomplie. Au revoir. Bon, donc, on se retrouve, les gars. Bah, on a fini l'entièreté de la base, là, ce coup-ci. Du coup, bah, là, on finit l'épisode. Enfin, l'épisode, il aura duré une semaine tout pile, du coup. Bah, c'est impeccable. Du coup, bah, voilà, là, on est au tout dernier étage. Donc, ça va être l'étage où on va faire les potions. On verra ça dans le prochain épisode, hein, bien sûr. Comme ça, sera plus simple. Un épisode chaque semaine, si j'y arrive. Là, c'est on est normalement dimanche quand vous voyez ça. Là, on est samedi quand on arrive. Bref, du coup, bah, on a fait champignon d'eau tout autour, base full opsi. On a mis des dalles juste ici, tout simplement parce que sinon, comme vous pouvez le voir, il y a des sortes de petites gouttelettes d'eau qui passent à travers les blocs. Et c'était particulièrement chiant. Je sais, on peut les désactiver, mais bon, pour un petit peu plus de trucs et de déco, on va dire. J'ai laissé ça comme ça. Voilà, donc on a cet étage là fait en bois. Voilà, en dark wood. Plutôt sympa, si on n'a pas voulu mettre ça en opsi parce que bon c'était un peu plus confort, enfin, on avait la flemme de miner sur tout ça. Par contre cet étage-ci est en opsi parce qu'en dessous on a la salle des coffres, donc la salle des coffres on a tous les stuffs les plus importants, donc bah là on a les bottes, au-dessus on a les jambières, à côté on a les casques, et ici on a les plastrons, donc voilà. Donc ça c'est tout ce qui est pour les stuffs, à côté on a quoi, on a les potions, enfin certaines potions, voilà, donc on a deux coffres potions là plus deux autres coffres potions ici. Ici on a encore deux autres coffres, du coup ça nous fait six doubles coffres potions, donc là on a underpearl, livre, on a épée bien pété d'ailleurs, livre, bottle, bouffe, enfin plein de trucs quoi. Ici on a le coffre à minerai, ici à épée, pioche, hache et pelle, et ici on a tout ce qui est pour ingrédients, potions, mais celui-là je pense qu'il va monter en haut, voilà. Oui. Ce qui va pas monter en bas. MDR, dans cet étage là, qu'est-ce qu'on a? On a la table d'enchant ainsi que toutes les enclumes, mais on a le coffre à bordel, donc quand on va revenir de pillage ou quoi. Bon, on va tout déposer là-dedans, comme ça va être deux fois plus simple. Et je pense qu'on va en rajouter à l'avenir. Genre, on a vraiment la place d'en rajouter plein. Donc voilà. Bon, par contre, ces coffres 6 n'auront pas protégé du tout. Mais bon, voilà, je parle vite là en ce moment, t'as vu, c'est impressionnant. Donc voilà, là il est en train de mettre toutes les alambics, c'est merveilleux. Donc là, c'est là où on fera toutes les potions. On va pas faire d'usine automatisée ou quoi, comme on avait pu faire sur Octonia. On aurait pu, mais manque de place et puis par grosse flemme surtout. Parce que faut savoir que sur ce serveur, l'opsi est quand même assez rare. Voilà. Ah, j'avoue, c'est galère à en trouver. Bah, c'est vraiment galère à en trouver. Donc voilà, je pense que là on a une base de type assez pété. On a loin de là la meilleure, mais on est plutôt bien, surtout au niveau des claims. On a claim vraiment bien unchunk et tout ça. Donc vraiment bien. On va pas s'attarder là-dessus pour cet épisode. Je pense qu'il aura déjà été assez long. On aura vu 2-3 trolls là. C'était plutôt sympathique. J'espère que c'est vrai. Non, mais cet épisode là, il y aura eu un peu de PVP d'ailleurs qui était un peu sympathique. Et puis, ouais, on a réglé les PVP un petit peu. On a réglé le troll de Kyr, MDR. Voilà, on a fait pas mal de petits trucs, si ça vous plaît comme ça de faire de temps en temps des trucs comme ça, bah n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Puis bah voilà, bah si ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, toujours plus, hein, c'est mieux. Et on vous dit, enfin je vous dis, et Ryan aussi vous dit, bah la semaine prochaine, la semaine prochaine pour le FK du coup mardi. Et puis bah, peut-être à la semaine prochaine pour du Nausea si on a le temps d'en record. Mais bon, je pense que le temps que je fasse. Bref, je vais pas vous expliquer ma vie. À la prochaine, ciao tout le monde. On va pas faire la fin de stream de Squeezie. Ciao les gars, salut.